Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfucking Birdman. Aha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour MyGM WWE 2K22. Adam Pearce contre Sonya Deville. On a présentement 36 000 fans de plus que SmackDown. On a à peu près 600 000 $ de moins par contre. Mais c'est Hell in a Cell ce soir. On a beaucoup de rivalité level 4. C'est bon. On va essayer de faire de quoi de bon. Avatis One Tables Match. Peut-être qu'on va faire ça. Pas nécessaire. Power Card. Double Cost. On aime ça mettre ça pour notre ami. Injury Rehab. On peut en acheter un. On a du cash de toute façon. On va tout de suite faire nos logistiques. On dépense le gros prix. Alright, maintenant. Main Event Match. One-on-one match. Montez Ford. Roman Reigns. Hell in a Cell. Et on va même utiliser une carte. On va faire que Montez Ford garde le titre parce qu'il y a 97 de popularité. Fait qu'on va garder Montez Ford comme champion et on va y trouver un nouveau challenger après. On fait que ça ou on laisse... Ah ben oui, on garde Montez comme champion. On a le Reigns depuis le début. Bon. Ok. Notre opener. Qui a le plus de popularité? Sasha qui a le plus de popularité. Sasha Bailey ont plus que Knox Keebler, mais Knox Keebler ça va être un title match. Fait qu'on va mettre comme opener Tegan Knox contre Stacy Keebler. Faut mettre un tables match pour le Owner's Rule. Dans un Hell in a Cell pour le titre. Stacy Keebler, Tegan Knox dans un Hell in a Cell aussi. Ok. On peut mettre ici un one-on-one tables match. Qui qu'on peut mettre dans un tables match? Banks Belair encore. Banks Bailey, je veux dire. Ouais. Fini la rivalité. Après ça, on avait one-on-one Chad Gable contre Damian Priest. Fais ça dans un TLC match, pourquoi pas. On dépense en fin de semaine. Et notre dernier match, un one-on-one match, notre autre rivalité level 4, c'est Surrey contre Indy Hartwell dans un Extreme Rules match. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et Power Card. Forge and Fire pour un LNSL. On va utiliser ça. Comme ça, un de nos deux LNSL match va avoir un rating higher than normal. Le reste, non. Pre-match physio. Pour pas que Banks se blesse, on y en donne un. On va essayer, en tout cas, que ça fonctionne. Parce qu'il faut que ça soit quand même notre opener et notre main event qui soient les deux meilleurs matchs. Je pense qu'on devrait être bon. Cocktail C. Gable Priest. Il y a moins de popularité que Keebler et Knox, anyway. Petite promo de charité. Pourquoi pas avoir Raquel, hein? Notre fille de charité. On peut avoir un call-out pour cette certaine rivalité. Là, on va voir pour le prochain pay-per-view. On a Shango Rollins. On a déjà Kingston Dragunov. On va nous prendre un nouveau challenger pour Montez Ford. Pour être Braun Strowman. On va faire un petit self-promo de Bianca Belair. On va faire un petit call-out de... Candice LeRae va call out Bianca Belair. Parce que la rivalité, on l'avait commencé, puis là, ça s'est comme estompé. Puis je pense qu'on y va pour une deuxième charité.
chercher des fans. On est rendu là, là dans la game. Sans de stamina, Kofi Kingston va aller nous faire un petit tour de charité. Kofi doit être bon là-dedans, de toute façon. Je pense qu'on va avoir un bon show. Je pense qu'on va avoir de quoi de bon. En plus, on a mis beaucoup de bâtons dans les roues à SmackDown. On va, d'après moi, ça va être, on va se distancer pas mal de SmackDown. Tegan Nox, Stacy Keibler, LNSL pour ouvrir le show pour le titre féminin. On simule ça. Stacy Keibler, nouvelle championne. Dans un legendary 5-star match, donc sûrement que la carte là, qu'on a mis pour le LNSL est allée pour ce match-là. Stacy Keibler, nouvelle championne. 5-star. Raquel qui fait sa promo de charité. C'est excellent, 5000 fans. TLC match, Chad Gable, Damien Priest, rivalité qui est aussi à level 4. Toutes nos rivalités sont level 4. Damien Priest l'emporte dans un 4-star amazing pour terminer la rivalité. Parfait. Self-promo de Bianca Belair, The EST, plus 5 de popularité. Good job, Bianca. Sorry contre Indy Hartwell dans un Extreme Rules match, rivalité qui est aussi au maximum. Indy Hartwell l'emporte. 4-star, amazing match. Donc nos deux matchs de mid-card à date ont été 4-star, c'est bon. Candice qui va call out Bianca. C'était OK. La rivalité tombe à level 1. Bayley contre Sasha Banks dans un tables match dans le co-main event. Bayley qui l'emporte finalement, enfin. Dans un 4-star amazing. Donc toutes nos mid-card étaient 4-star. Notre opener était 5-star. Est-ce qu'on est capable d'avoir un 5-star avec le main? Je sais pas, mais d'après moi, on a au moins 4.5. Kofi Kingston, promo de charité, 5000. Et le main event, Montez Ford défend son titre contre Roman Reigns dans la cage. LNSL. Montez Ford l'emporte. Dans un 5-star legendary. Donc, on a eu deux 5-star opener main event et des 4-star partout dans le pay-per-view. Si on gagne pas ce show-là, je sais pas ce qui se passe. Regardez en regardant leur carte, on devrait être bon. Opener, Dante Roberts contre Mace. Ça va être bon pour eux autres, par exemple. Dans un tables match, Dante Roberts l'emporte. 4.5 star, complète la rivalité. RVD va chercher 4 de popularité. Slapjack contre The Hurricane. Ils ont signé Hurricane. Slapjack l'emporte. Slapjack fait du bon travail pour eux. 2 stars. Gear Metallic sur la charité. C'est excellent. TLC match entre LA Knight et MVP. LA Knight l'emporte. 3.5 star. Sammy George qui call out Nikki. Une rivalité qui monte level 4. Pourquoi ils n'ont pas fait ce match-là? Logan Paul contre Fandango qui a 100 de popularité. Le gros lutteur, le Fandango de l'autre bord. Logan Paul l'emporte, 3 stars. Et le main event, Shayna Baszler, Mandy Rose, Asuka, Nikki Cross pour les titres féminins. Asuka, Nikki Cross qui l'emporte. Dans un 5-star legendary, la rivalité est complétée. Mais je pense qu'on a été chercher tout un pay-per-view. 167 000 fans. 211 000 fans? Hein? Ils nous ont devancés? Peut-être qu'il y avait la carte de fan retention, peut-être. Parce qu'on a eu un bien meilleur pay-per-view que eux autres, je comprends pas. On tire de l'arrière par 7000 maintenant. Quelque chose que je comprends pas du jeu. En plus, regardez l'argent qu'ils ont de plus. Oh boy. Oh boy, boy. Incroyable. 4 semaines avant Survivor Series. Extreme Rules. Nobody does it better than me. Chad Gable qui dit qu'il est excellent dans des matchs d'Extreme Rules. Ok. On va donner un Extreme Rules match 2 semaines à Chad Gable, pas de problème avec ça. Roman Reigns, il veut gagner son prochain match.
Faut pas croire qu'on s'est fait dépasser après le pay-per-view qu'on a fait. Incroyable. Je suis démoli. Je suis démoli. Pas de mots. Pas de mots. Un gros problème avec le jeu, là. Ça peut pas. Mais c'est sûrement la carte de fan retention que nous autres on a utilisé pour des Monday Night Raw. On aurait dû utiliser ça au pay-per-view. Oh boy. Oh, on va avoir une petite pente à remonter. Aïe, aïe, aïe. Je suis démoli. Ouais. Je vais aller prendre un petit verre de vino. Et drink it off. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.